Alléluia. Il n'y avait rien. Il avançait. Lui, il savait dans son cœur ce qu'il doit offrir ou offrir à Dieu. Il dit, l'Éternel pourvoira. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Si tu connais l'intérêt, la grâce que tu as de celui qui débite ton compte, tu ne dois pas pleurer. Tu dois plutôt être rassuré. Car tu sais, même si tu ne vois rien, il n'y a pas de limite à Dieu. Dieu n'a pas de limite. Il le fera, même si les autres ne voient rien. Moi, je sais, l'Éternel pourvoira. C'est pour cela qu'il y a des choses, je peux partager avec d'autres personnes. Il y a des choses, ça fait partie de l'intimité entre moi et Jésus-Christ. Parce que tu ne sauras pas comprendre ces choses-là. Abraham commençait à monter. Il savait dans son cœur, première chose, il a menti sa femme. Pour ne pas dire la vérité que c'est l'enfant qui porte, qui part sacrifier. Donc cela veut dire, Abraham avait cette habitude-là d'aller dans cet endroit-là pour aller rencontrer Dieu. Quand tu donnes quelque chose à Dieu, spirituellement, ton compte aussi est débité. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me prend, il savait. Il dit, il pourvoira. Mais ce qui compte dans la vie d'une personne, c'est la manière dont si tu te présentes devant Dieu. Dieu connaît ton cœur mieux que toute autre personne. Amen. Tu peux faire semblant, mais Dieu connaît ton cœur au plus profond de toi-même. Il connaissait le cœur d'Abraham. Arrivé à la montagne, et l'action n'était pas pour jouer. Il a ouvert. Il a pris l'enfant. Il a placé le bois. Il a attaché l'enfant. Placé. Quand tu soulèves ton couteau pour taper, Dieu sait si c'est par amour ou par faire plaisir que si Dieu va intervenir. C'est pour cela que la Bible me dit, lorsque vous êtes tenté, ne dites pas que vous êtes tenté par Dieu. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il n'est pas fait partie du mal. Lorsque vous êtes tenté, ne dites pas que là c'est Dieu qui me tente. Dieu ne te tente pas. Dieu ne peut pas te tenter par le mal. Comprenez d'abord que j'ai un débiteur spirituel. La Bible dit, l'action qui est valable, l'action qui est volontaire, celui qui fait, qui comprend la grâce de Dieu, qui est un débiteur, son amour doit être total devant l'Éternel. Son amour ne doit pas avoir de réserve. Il doit savoir, si je vis, si je suis comme ça, il y a un débiteur qui paye à ma place. Si je suis là, il y a quelqu'un qui a payé à ma place. Si la sorcellerie ne peut pas me toucher, il y a quelqu'un qui me protège. Il y a un débiteur. Il est là pour te donner sur le plan charnel. Il est là pour te donner sur le plan spirituel. Il est ta protection. Et cette protection-là, c'est Jésus-Christ. Je te dis ces choses parce que Dieu s'est mis aussi dans la même situation qu'Abraham. La Bible dit que Jésus était déjà à la croix. Il devait mourir. Il a même prononcé une parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Dieu a accepté que Jésus meure, qu'il soit ton débiteur. Il pouvait aussi intervenir. Si Jésus avait dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'à ce moment-là, il savait que Dieu était capable d'intervenir. Il peut intervenir au moment où il veut. Parce que si vous revenez en arrière dans la parole de Dieu, à la début du ministère de Jésus, lorsqu'il a commencé ce ministère, et il a été visité par le diable. Le diable lui a emporté en haut des temples. Il dit, jette-toi, ton père enverra des anges pour que tes pieds ne touchent pas le sol. Dieu était capable de faire cela. Mais pour que ton compte soit débité, Dieu n'a pas intervenu. Par contre, pour Abraham, lorsque son action était volontaire, il savait que ce qu'il était en train de faire, il le faisait ça avec son cœur. Dieu a intervenu pour envoyer un agneau. C'est l'agneau remplacé qui paye le prix. C'est l'agneau remplacé qui va payer ton prix. Et cet agneau remplacé, c'est de ce que je suis venu te parler aujourd'hui. Il ne laissera pas que les tiens ne puissent être touchés.
C'est pour cela que tu es débité. Laisse-moi te dire, tu ne comprends pas. Dans ta famille, des gens ont pratiqué la sorcellerie. Ils ont des crédits des personnes qui doivent te donner. Mais toi, Jésus a retiré ton nom parmi les morts. Il a mis ton nom parmi les vivants. Tu ne mourras pas. Tu seras un sujet de la gloire de Dieu. Même si peu importe la grandeur de la sorcellerie de ta famille, Dieu t'a arraché. Je te dis encore une chose. Il a déjà commencé à débiter ta vie avant que tu comprennes quelle est la grâce de Dieu en toi. Je vais t'expliquer. Le jour où tu étais mort, quelqu'un d'autre était mort avec toi. Le jour où tu étais hospitalisé malade, Jésus était là pour te secourir. Même si tu ne connaissais pas cette grâce-là, il intervenait. Mais aujourd'hui, il te dit, souviens-toi de cette grâce. Souviens-toi de cette grâce. Je te parle aujourd'hui de comprendre la parole de Dieu. Vous et moi, nous sommes des Barnabas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Vous et moi, nous sommes des Barnabas, cela veut dire quoi? La Bible m'apprend que lorsque Jésus était arrêté, amené à Jérusalem, il fallait qu'on puisse le libérer. Mais le choix était simple, il n'y avait pas de jugement. Il fallait seulement placer Jésus devant un brigand connu, tueur. Des gens vont faire le choix. Des gens vont faire le choix simple et il sera libéré. C'était plus facile que ça. Vous et moi, vous sommes Barnabas. Parce que la Bible me dit, lui n'a jamais péché ici-bas. Il était un agneau Satan sans tache et sans défaut. Donc c'est-à-dire, il ne pouvait pas payer un prix. Mais vous et moi, nous sommes pécheurs. Nous avons la nature pécheresse à nous. Le premier Adam avait déjà échoué. Lui, il est venu pour détruire l'échec du premier Adam. Il était le deuxième Adam. Et il a réussi face au diable. Lorsque le diable lui a visité, il n'a pas chuté. Et lorsque le mal lui a visité, il n'a pas laissé le mal entrer. Lorsque les actions de l'ennemi l'ont cherché à toucher, il n'a pas laissé. Mais nous sommes Barnabas. On est connu par nos fautes, on est connu par nos péchés, on est connu par des choses, des mauvaises choses qu'on a fait. Mais maintenant, on dit au monde, faites un choix. Peuple de Dieu, beaucoup de gens ont rejeté Jésus, ils ont choisi leur Barnabas. Peut-être toi aussi, tu as un Barnabas. Je vais t'expliquer qui est Barnabas. Quelqu'un dont tu connais bien, que sa vie n'est pas correcte, il peut être un star que tu adores, que tu aimes. Permettez-moi de dire de t'aimer. Ça peut être quelqu'un qui te fait éloigner de la volonté de Dieu. Mais le choix est simple. Jésus est là. Il est le débiteur spirituel de ta vie. Mais qu'est-ce que tu as déjà choisi devant Dieu? Et s'il faut faire un choix, qui toi tu as choisi? Il y a même des gens qui disent, laissez Jésus à un moment donné, quand on va être à l'église, c'est là où on va s'occuper de Jésus. Maintenant, c'est le temps d'écouter, je ne sais pas, je ne vais pas citer le nom de ces personnes-là. Mais ça veut dire, tu es capable de choisir. Il y a même des gens qui sont, même des hommes, ils sont très faibles avec le football. Ils sont capables de laisser les choses de Dieu parce qu'il y a un match de football. Il y a même des gens qui sont capables de laisser les choses de Dieu parce qu'il y a un concert. Il y a même des gens qui sont capables de beaucoup de choses parce que mon amour sera là. Peuple de Dieu, j'aimerais te dire, si tu comprends cette grâce-là, devant cette grâce, rien ne peut dépasser avant Jésus-Christ. Toutes les choses doivent être après Jésus-Christ. Toutes les choses doivent être après Jésus-Christ. Parce que tu peux avoir un mari, tu peux avoir un star, il ne sera pas ton débiteur. Je vois des gens jouer au ballon et ils sont riches et des pauvres sont en train de se lamenter et dire même je n'ai pas mangé, je ne vais pas manger parce qu'on a perdu. Peuple de Dieu, de quelle équipe tu es en train de défendre? L'équipe de Dieu ou l'équipe des hommes? Les loisirs, ce n'est pas mauvais. Mais mettez une limite, mettez Dieu en première position.
Je ne dis pas que je ne vais pas regarder le ballon. Mais mettez d'abord Dieu en première position. Parce que le prix qu'il a payé, mon oncle ne peut pas payer ça. Le prix qu'il a payé, un roi ne peut pas payer ça. Le prix qu'il a payé pour moi, un homme ne peut pas payer pour ça, pour moi. Le sang qu'il a payé, vous savez, la Bible me dit en Genèse qu'un sang, le sang d'Abel criait, parlait. Et je te dis aussi, comprenez ton débiteur, parce que son sang crie à ta faveur. Comprenez pour que ton sang aussi crie à ta faveur. Alléluia. Ton sang aussi crie à ta faveur. Je ne te dis pas d'aimer, mais aimer avec limite. Parce que quand tu aimes en excès, tu deviens ce qu'on appelle la... C'est une forme d'adoration. Or la Bible dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Il y a même des hommes ou des femmes qui disent, moi... Mon mec là, j'adore. Ah bon? Vous l'adorez déjà? Pas je l'aime, mais j'adore. Mon mari là, j'adore. Alléluia. Alors, peuple héritier, comprenez qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix. Et celui que je suis en train de parler, c'est Jésus lui-même. Je vais te dire une chose. Nous allons lire dans Luc. Luc chapitre 23, verset 18, pour savoir le choix. Luc chapitre 12, verset 18. Luc chapitre 23, pardon, verset 8, verset 18. Luc chapitre 23, verset 18. Luc chapitre 23, verset 18. Ils s'écrièrent tout ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barnabas. Alléluia! La Bible dit, lorsqu'on a présenté Barnabas devant les autres, ils criaient tous ensemble, fais mourir celui-ci et libérer Barnabas. Peuple de Dieu, si toi aussi tu ne connais pas l'intérêt de cet débiteur-là, tu le laisseras mourir parce que tu ne connais pas, parce que toi tu t'attaches à quelque chose qui est charnel. La Bible dit, ils criaient tous ensemble, à l'unisson, fais mourir celui-ci, mais laissez Barnabas. Alléluia. Vous savez, quand on ne comprend pas la grâce de Dieu, que Dieu nous a donnée, on est capable de soutenir du mal et sans pour autant soutenir Dieu lui-même. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Alléluia. On est capable de soutenir du mal sans soutenir Dieu lui-même. La Bible dit, ils criaient tous ensemble, fais libérer ceci. Parmi les gens qui criaient là, il y a quelqu'un aussi, Barnabas a tué son fils. Il y a quelqu'un, Barnabas a tué son mari. Il y a quelqu'un, Barnabas lui a rendu pauvre parce qu'il a volé toute sa fortune. Mais il a choisi, il dit, fais mourir Jésus-Christ, mais libérer Barnabas. Le message que je t'amène pour comprendre les débiteurs spirituels, cela veut dire quoi? Il est devenu malédiction pour que tu sois bénédiction. Il a subi l'humiliation pour que tu entres en possession de ce que Dieu a mis devant toi. Il a été racheté, rejeté des hommes pour que tu sois, toi tu sois accueilli par Dieu. On l'a craché sur lui pour que toi, tu ne subis plus jamais ça. Amen. On lui a tué. Perdre le sang. Même à travers ses méprisures. Pour que tu ne sois plus malade. Que tu sois guéri. Amen. Il est devenu la honte de toute personne. Pour que toi, tu ne sois plus dans la honte. J'aimerais te dire à quelqu'un aujourd'hui. La honte ne te verra plus jamais. Amen. La malédiction ne te verra plus jamais. L'échec ne te verra plus jamais. La pauvreté ne sera pas ton ami. La sorcellerie ne peut pas t'attacher. Parce qu'il n'y aura pas de. On va pas demander ni à tes enfants, ni à ta descendance de donner quelqu'un. Parce qu'il y a un prix qui a déjà payé pour couper ça. Si les autres ont fait, toi tu es racheté par Dieu. Et tu es récupéré, toutes ces malédictions-là ne peuvent plus te toucher.
Parce que ta vie a été déjà débitée à tout compte. Que ce soit la malédiction, que ce soit la bénédiction. C'est pour cela, lorsque la pauvreté te dérange, dis, sors de ma vie. Il y a quelqu'un qui est déjà devenu pauvre. Il est marché dans la pauvreté. Il n'avait même pas un toit dans cette terre. Mais moi, je ne vivrai pas ainsi. Si je suis venu ici dans ce pays, pas pour vivre dans la pauvreté, ni pour vivre dans la malédiction, ma malédiction à moi, Jésus l'a déjà porté, a déjà payé à ma place. C'est pour cela que j'aimerais te dire, dans ta vie, ce qui nous compte, ce n'est pas la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Si un médecin te dit quelque chose, moi je te dirai qu'est-ce que Jésus a dit à ta propos. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Un médecin peut collaborer avec des esprits impies pour étouffer ta foi. Vous ne savez pas, vous croyez en Dieu. Est-ce que lui il croit en Dieu? Il peut facilement choisir Barnabas pour dire que pour toi c'est l'échec. Pour toi tu ne seras pas en bonne santé. Tu ne sais pas, il collabore avec quel esprit. Dis, pour moi, on a déjà choisi Barnabas, je suis Barnabas. J'ai profité de cette liberté-là pour que je ne puisse pas tomber dans la même chose. Alléluia. Amen. Comprenez, je te vois grand, je te vois béni. Vous savez, quand je me suis tourné, j'ai senti quelque chose à moi. J'ai dit, Dieu va élever des gens dans cette église parce qu'il est un Dieu merveilleux. Vous ne vivrez pas dans la pauvreté. Vous n'allez pas manquer de voitures. Vous n'allez pas manquer de maisons. Parce que la Bible me dit, l'or et l'argent lui appartient. La Bible me dit encore, la terre et ses habitants appartiennent à Dieu. Si la terre et ses habitants appartiennent à Dieu, à qui appartient le diamant? Le Corbat, c'est pour qui? La France, c'est pour qui? L'États-Unis, pour qui? Parce que quand vous disiez le nom là, lui, il parle de la terre. Tout pays, même des bénédictions, même l'Australie se trouve dans la terre. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire un pays qui se trouve sous la mer. Alléluia. Alors comprenez, il y a quelqu'un qui a déjà payé à ta place. Quand tu marches, quand tu vois des difficultés, dis-moi, je ne dois pas vivre dans cette difficulté-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé à ma place. Si tu vois dans ton compte bancaire, il n'y a rien. Dis que je sais, mon débiteur viendra mettre quelque chose. Si tu vois des blocages, dis au blocage, écarte-toi de mon chemin, car il y a quelqu'un qui a déjà débloqué ça à ma place. C'est-à-dire pour toi, tu es appelé à marcher la tête haute. Pour toi, tu es appelé à témoigner des bienfaits de Dieu. Prouver aux gens que tu as un débiteur. Je te dis une chose, si on t'a dit en Europe les gens ne peuvent pas prospérer, tu seras prospère. Parce que ce n'est pas moi qui dis, la parole de Dieu me dit, je veux que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Si ton âme est parfaite, tu dois vivre de grandes choses de Dieu. Vous savez, j'aimerais te dire, ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est qu'un temps. Ce que tu vis demain, ce n'est qu'un temps. Ce que tu vivras demain, ce n'est qu'un temps. Ce que nous vivons ici, ce n'est qu'un temps. Ces conditions-là, ce n'est qu'un temps. Je vais te lèverai, te révéler ta foi. Parce que si ta foi est puissante, Dieu est au-dessus des milliards. Pourquoi on dit l'or et l'argent? Je te dis, je te parle d'un Dieu capable. La Bible dit, à un moment donné, Jésus était avec ses disciples. Le demandeur d'impôt était venu. Il dit, payez l'impôt. Jésus a demandé à Pierre, qu'est-ce que nous avons là-bas? Ils ont dit, nous n'avons rien. Mais l'impôt doit être payé. Parce que Jésus a dit, rendre à César qui est à César, à Dieu qui est à Dieu. Mais il n'y a pas l'argent. Mais il a dit à Pierre, Pierre, toi tu fus pécheur. Allez en fleuve, va pêcher un poisson. Vous cherchez l'argent, est-ce qu'il y a des banques dans le fleuve? On a besoin de l'argent pour payer l'impôt. Est-ce que l'argent se trouve dans les poissons? Je vais te dire, si tu comprends la grâce de Dieu, c'est l'obéissance qui fera que tu vois aussi la main de Dieu. Pierre a obéi. Il n'avait pas posé de questions. Est-ce que l'argent, on peut trouver ça dans les banques? Est-ce qu'il ne fallait pas demander des partenaires, aller emprunter l'argent quelque part? Nous savons telle personne est riche.
Mais il n'a pas posé ces questions-là. Il a fait la volonté de Dieu. Ce qui compte aussi dans votre vie, respectez la parole de Dieu. Le débiteur de votre compte agira pour bénir. La Bible dit, il est parti et il a trouvé un poisson. Ouvre le ventre. L'argent pile poil. Est-ce que l'argent-là a été refusé parce que c'était une faux monnaie? Alléluia. Pour toi aussi, ça ne sera pas refusé. Entrez dans la foi. Comprenez que j'ai un débiteur. Je sais pourquoi Dieu m'a mis ce message. Je sens dans cette assemblée que notre foi commence à grandir immense. On est parti avec deux personnes pour aller voir un endroit pour la prière. Ils m'ont dit, ce n'est pas ici. C'est un endroit propre, mais ce n'est pas pour nous. J'ai compris leur foi. Alléluia. Amen. Quand ta foi devient grande, même si tu vois personne ici, la grandeur de Dieu marchera avec toi. Amen. Tu ne verras plus Dieu dans des petites choses, mais plutôt dans des grandes choses. Amen. Ce n'est pas l'argent qui va nous faire intimider. Parce que Dieu, il a déjà payé à notre place. Ce n'est pas des sorciers ou des magiciens qui vont nous faire peur parce qu'ils dominent Saint-Brieuc. Parce que Jésus a déjà payé à notre place. Amen. C'est pour cela que la Bible me dit, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Acclamez-toi encore pour la parole de Dieu.